Clément, dis-nous quel est le plus beau moment des 24 heures de la nature que tu aies vécu. Il y en a plusieurs qui viennent en tête. Il y en a notamment un, c'était aux 24 heures de la Boissière, lors de l'animation sur les chauves-souris, donc c'était en soirée. Et on faisait l'animation voilà, avec un groupe d'une dizaine de personnes devant la salle des fêtes. Et pendant que je faisais l'animation, des pipistrelles s'envolaient du parapet, du toit, pour et passer au-dessus des gens pour aller chasser. Donc c'était un moment très sympathique, du coup c'était priorité au direct. Donc on a pris le temps d'observer les bêtes, de voir leur comportement nouveau au-dessus de la tête, etc. C'était super intéressant. Après il y a eu d'autres moments où, par exemple, quand on a attrapé des serpents, des fois, au début les enfants peuvent avoir peur, les parents surtout ont peur. Et puis petit à petit, les enfants voient que les adultes qui sont là, donc nous les animateurs, n'ont pas peur des serpents, donc les enfants finissent par se rapprocher et puis par vraiment s'intéresser aux animaux, tout ça. Donc c'est vraiment super intéressant, c'est plutôt le contact entre les enfants, les gens, avec les animaux, leur montrer une façon de les observer qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de faire, quoi. Donc c'est franchement bien.